Je dois vous avouer que je suis un peu embêtée. Je suis embêtée car je n'arrive pas à me positionner sur le clip de Solterra. Pour être tout à fait honnête, et n'en déplaise à certains, disons que ce qui m'a empêchée d'apprécier pleinement le clip, c'est cette ambiance de clip d'influenceur, je déteste ça. Et c'est dommage car, hormis ça, bah il y a plein de jolies choses. Ah, le moins que l'on puisse dire, c'est que le clip de Solterra fait énormément parler de lui. Un clip qui a pu déplaire en raison de certaines scènes. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, sachez que je visionne le clip plusieurs fois afin de trouver des messages cachés, raconter son histoire et éventuellement donner des anecdotes. Côté messages cachés, je n'ai rien trouvé, du moins il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux comme dans TQG ou entre parenthèses. J'ai plus trouvé des allusions avec certains clips. Ce qui est mieux que rien, réalisé par John de Lenguana, ami de longue date et à qui on doit une bonne partie des clips de Shakira depuis Fear Oral, le clip nous embarque dans les coulisses d'une folle soirée entre filles. Tour à tour, on suit notre joyeuse bande de copines faisant la fête dans différents lieux de Miami, sur un yacht, en voiture, dans une discothèque ou encore dans une piscine. Et dès les premières secondes du clip, on sent que la nuit a été très mouvementée. C'est dans une chambre d'hôtel complètement ravagée que Shakira se réveille dans un lit entourée de ses nouvelles amies. Un lendemain de soirée qui va être très compliqué. Hashtag gueule de bois. Une mini-séquence qui pourrait bien nous rappeler instantanément le début du clip Mi Enamore. Et il y a aussi un petit côté Very Bad Trip. Cette ambiance de décor mise sans dessus dessous, des éléments complètement what the fuck, comme un iguane ou encore une pizza à moitié entamée sur le lit. Ce court laps de temps où c'est le blackout total, où l'on n'a aucun souvenir de ce qu'on a fait la veille. Autre allusion, dans la séquence de la cage d'escalier, Shakira, dans une nouvelle tenue signée Nicolas Brustyle, son styliste du moment, exécute quelques mouvements lascifs. Adossée contre un mur, comme dans les clips Beautiful Liar et Can't Remember to Forget You, puis devant une barre qui rappelle les mouvements de pole dance dans le clip Rabiosa. Autre annotation, autre clip, les scènes de surf sont des souvenirs au clip Don't Wait Up sorti en 2021. Une passion pour ce sport qui ne l'a pas quitté depuis 3 ans déjà. Hormis des allusions à quelques clips iconiques de Shakira, Solterra fait aussi de subtiles références télévisuelles. À 1 minute 02, l'influenceuse vénézuélienne Lele Pons interpelle un jeune homme par la fenêtre de la voiture. Eh bien sachez que cet extrait n'est autre qu'une référence à la série Betty la Fea, une telenovela colombienne. Une série que l'on connaît plus sous le nom d'Ugly Betty et dans laquelle Shakira y a fait une apparition en 2009 dans l'épisode Le Triangle des Bahamas. Et pour son nouvel hymne à la liberté et au célibat, Shakira n'a pas lésiné sur les guests. On en connaît déjà quelques-unes, celles qu'on voit depuis des semaines et des semaines. L'influenceuse Lele Pons, Béatrice Matalana qui était la coiffeuse et maquilleuse de Shakira, la mannequin Winnie Harlow et les chanteuses Anita et Nati Natisha. Et en creusant un petit peu plus en profondeur, on reconnaît les mannequins Carolina Kurkova, Jorge Chacon, Valérie Carullo, la maquilleuse Ludmilla Soleimani et la podcasteuse Daniela Sayan. Dans la séquence du casino, on reconnaît aussi le producteur argentin Bizarrap ainsi que l'ex-candidat de télé-réalité et mannequin Harry Josey. En fait, Solterra, c'est comme un défilé de mode tellement il y a de mannequins dans le clip. Dans son ensemble, Solterra se veut être un clip frais, spontané, tourné à la manière d'un Loca ou d'un Rabiosa. Alors, en revanche, la scène dans les toilettes. Shakira avec ses nouvelles amies dans les toilettes pour hommes, simulant une envie pressante et se pouffant d'avoir mouillé sa robe. Non. Non, moi, personnellement, cette scène, non, c'est une des scènes les plus dégradantes. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé tel ou tel plan que ça y est, je suis une mauvaise fan, que je suis coincée, que j'y connais rien. Certains ont aimé cette séquence, mais moi, je ne suis pas fan du tout. Et je respecte l'opinion de tout le monde, ce qui n'est pas le cas de certains. Hormis cette séquence, bah, j'ai quand même apprécié d'autres choses. Déjà, Shakira chante seule, pas de featuring avec un artiste sorti de nulle part. Les tenues qui sont magnifiques, grosse préférence pour la robe beige et noire signée Jean-Paul Gaultier. Sa chevelure, ses cheveux bouclés comme ça, je craque complètement. Les décors sont plutôt bien choisis. Une partie a été tournée dans les discothèques live de Miami, qu'on ne présente plus depuis la tentative de voyeurisme. Tandis que le reste fut tourné dans divers autres lieux de Miami. Bon, ça a fait le tour du monde cette histoire, mais dire que c'est un fan qui a fait le coup... Ouais. Alors, je suis peut-être trop coincée, mais je ne connais pas de fan à proprement parler qui tenterait de filmer sous la jupe de son idole.
Si on enlève le clip, eh bien la chanson est hyper agréable. Avec son style afrobeat, Solterra est une chanson qui respire le soleil. Dès les premières notes, on est immédiatement transporté dans les Caraïbes et on y ressent une irrésistible envie de danser. Écrite par Shakira, accompagnée de Keitin, Bizarrap et d'Edgar Barrera, qui a également travaillé sur les titres El Refé et Entre parenthèses, Solterra est une célébration vibrante de l'indépendance et de la vie. Shakira y célèbre les joies du célibat, sa liberté, son autonomie, en profitant tout simplement de sa nouvelle vie de célibataire, d'où le nom Solterra. C'est une chanson solo, ce qui est devenu très rare depuis Eldorado, donc autant vous dire qu'on ne boude pas notre plaisir. Dans l'ensemble, Solterra est une magnifique chanson, bien produite, entraînante, qui reste bien ancrée dans la tête, croyez-moi. Non, moi je valide totalement. Une chose est sûre, la chanson, elle, je vais l'écouter en boucle, mais pas le clip en tout cas.